Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler et débattre de ce dernier trailer sorti concernant La Maison des Loups, donc qui devrait voir le jour le 19 mai prochain. Donc je suis en compagnie de Yoda. Yo! Et donc on vous a fait une petite analyse point par point de ce fameux trailer, donc on va le laisser défiler un petit peu, on mettra pause, on parlera ensemble de ce qu'on a vu, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, etc., etc. Bref, c'est parti, la suite en images. Quand les déchus ont essayé de nous détruire, j'ai protégé le récif. Tous ont fini par se soumettre devant moi. Donc tout d'abord, il faut savoir que cette vidéo est un prologue, donc ça sera sûrement la vidéo qui lancera la venue du prochain DLC le 19 mai prochain, donc c'est elle qui va te lancer toutes les missions qui vont venir. Donc on s'en rend compte que le récif a été ouvert par la reine au déchu. Voilà, donc on a des premières images du récif qui est un endroit assez sombre. Le récif qui est, je le rappelle, un rassemblement de vaisseaux en orbite. Donc dans cette première partie de vidéo, on voit un serviteur et un capitaine. D'ailleurs, le serviteur est vraiment très joli, j'ai adoré. Voilà, ils se baladent sur le récif et ils ont l'air pas très commodes. Ils ont l'air assez vénères, en effet, je pense qu'il y a eu des dégâts de fait. On va le voir tout de suite, on continue. Nous les avons épargnés et leur avons offert un foyer parmi les éveillés. Alors dans cette deuxième partie de ce trailer, on apprend que la reine a en effet invité les déchus au cœur du récif, donc au cœur de ce rassemblement de vaisseaux, au cœur de son petit, de sa petite île entre guillemets. Donc visiblement on voit beaucoup d'éveillés à terre, il y a eu un gros dégât, il y a beaucoup d'éveillés morts, on ne sait pas pour le moment ce qu'il s'est passé. Elle nous informe qu'elle leur a fait confiance, qu'elle leur a offert une terre d'exil. Donc on va voir un petit peu plus loin dans ce trailer ce qu'il a bien pu se passer sur le récif. Pour nous remercier, ils nous ont trahis. Maintenant, ils vont subir ma colère. Donc on se retrouve maintenant sur le récif, on connaît tous cet endroit, c'est l'endroit où on s'avance dans l'histoire, on s'avance vers la reine, dans la cinématique. Voilà, donc on est sur le récif, on se rend compte que le récif est littéralement saccagé, donc il a été saccagé par les déchus. On apprend que ces derniers ont trahi la reine et maintenant la reine a l'air vraiment en colère. On aperçoit d'ailleurs la reine à la fin de ce trailer accompagnée par son frère qui peut-être pourrait jouer un rôle assez important pour le prochain DLC. Oui, en effet, il est fort possible que la colère de la reine cumulée à celle de son frère soit dévastatrice. Il est même tout à fait possible, puisqu'on en avait vu un extrait lors du trailer qui est sorti au cours de l'E3, donc il y a déjà plus d'un an. On voit le fameux frère de la reine en train de menacer un gardien avec une arme, donc il est tout à fait possible qu'il pète littéralement les plombs. De toute façon, c'est un personnage assez froid, assez antipathique, tout comme la reine d'ailleurs. Donc on peut comprendre leur colère. Il est tout à fait probable qu'ils aient envie de se venger et que cette histoire vire complètement au chaos. Ou même pire, il est même probable que le frère aille à l'encontre de sa sœur qui est la reine et que ce soit lui qui ait ordonné au déchu de retourner le récif. Donc on n'en sait pas plus pour le moment, on poursuit vers la fin de ce trailer. C'est parti les amis. Ouvrez le récif aux gardiens. Nos richesses les récompenseront pour la tête de ces traîtres. Donc voilà, dans cette dernière partie du trailer, on voit que la reine va faire appel aux gardiens pour se venger des déchus. Donc clairement, elle nous lance un appel à nous pour aller l'aider, pour essayer de reconquérir le récif. Dans la version originale, donc dans la version anglaise, la reine parle même de bounty, donc en français de contrat. Donc on peut tout simplement lancer l'hypothèse du retour des contrats de l'île de la reine. Voilà, c'est clair, même en anglais, c'est vraiment clair. Alors on va pouvoir parler maintenant de ce que l'on sait de sources sûres. Donc le récif possédera un nouvel espace social, donc une sorte de nouvelle tour.
On ne sait pas encore si elle sera accessible aux personnes qui n'auront pas acheté le DLC. On n'a pas d'informations là-dessus pour le moment. Le DLC en question, donc, il sortira le 19 mai. La date a été officialisée aujourd'hui. Et donc, pour ceux que ça intéresse, il coûtera 20€. Enfin, précisément 19,99€. Donc, on va parler un petit peu de son contenu complet. Voilà, donc dans le contenu complet, on retrouvera donc un nouveau raid donc qui aura lieu sur ce récif. Il y aura également plusieurs missions en rapport avec l'histoire, donc sûrement avec l'ère de la reine, etc., etc. Il y aura également un nouvel assaut, 3 nouvelles maps de PVP, ainsi qu'une centaine de nouvelles armes et armures. Voilà, vraiment du lourd. Par contre, on ne sait pas encore, il n'y a vraiment pas encore d'informations en ce qui concerne les exclusivités PlayStation. Est-ce qu'il y en aura encore ou pas? Ça, vraiment, aucune information pour l'instant à ce sujet. De même qu'une petite déception concernant le fameux tournoi d'Osiris, on n'a absolument aucune info dans ce trailer, donc on n'en sait pas plus également, on ne sait pas s'il sortira à l'occasion de ce DLC. Certaines personnes disent qu'il sortira avant, donc pour l'instant, ça reste en point d'interrogation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. On vous souhaite une très belle soirée et on laisse le mot de la fin à cette fameuse reine. Que la chasse commence.